Nous vous souhaitons le bienvenu sur ces programmes de nuit que nous vous proposons tous les mardis à partir de 22h. Et nous sommes là, moi, votre servante Nadine Ifuanga, et avec moi, l'apôtre Kokobar et les frères d'Épaule à la réalisation et à la technique de cette émission. Nous avons le pasteur Constant. Et merci à vous de commencer à partager votre émission d'adoration. Nous sommes là pour adorer et nous exhorter et prier ensemble. Que le Seigneur soit béni. Je salue l'apôtre Kokobar. Bonsoir. Shalom, servant de Dieu. Vous allez bien? Très bien par la grâce du Seigneur. Et je salue notre frère d'Épaule qui est avec nous et qui va en même temps nous introduire pour rentrer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour son amour dans nos vies? Élève ta voix là où tu es. Dis merci à Dieu pour la souffle de vie qu'il t'a donnée. Ce n'est ni par ma force, Seigneur, ni par mon intelligence, mais c'est par ton amour. Tu es mon Dieu, Seigneur. Je viens encore t'adorer, t'élever au grand roi. Alléluia. Zali Zambe, Zambe moke linanyos. Ali Zambe, Ali Zambe moke linanyos. Ozali Zambe, Ozali Zambe moke linanyos. Ozali Zambe, Ozali Zambe mokeli na nyoso e. Zambe, Ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe, Ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe, Ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe, Ozali Zambe mokeli na nyoso. Mokote ya kokani na yo, ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe, ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe, Elohim, ozali Zambe mokeli na nyoso. Okela banyama na zamba, okela bato na mokili. Ozali Zambe, Ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe, Ozali Zambe, Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe mokeli na nyoso. Ozali Zambe mokeli na nyoso. Soki nataleli moto akokufa yo. Soki nataleli mama akokufa yo. Soki nataleli papa akokufa yo. Soki nataleli mwasi akokufa yo. Soki nataleli mobali akokufa yo. Soki nataleli bato bakokufa ye. Yango nataleli yo mokeli na nyoso. Masiya ye mokeli na nyoso nawe. Zambe, mokeli na nyoso. Soki nalaleli nzete kokufa.
moto akoki kozanga Nataleli onzambo yo akokana nyoso Ozali zambe Ozali zambe mokeli na nyoso Ozali zambe Elohim Ozali zambe mokeli na nyoso Ozali zambe Ozali nzambe na ngaye Nzambe 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 na elonga Nzambe na makasi Nzambe Ozali nzambe na ngaye Nzambe Nzambe na nga Nzambe Ozali nzambe Botika na beta maboko Ozali nzambe na bomoi Ozanzambe na nga ye Ozali nzambe na nga ye Nous voulons te dire un grand merci, Dieu de tout esprit, maître de temps, des circonstances et des événements. Béni sois-tu, le Seigneur Dieu de gloire, pour ce moment que tu nous as encore donné. Un moment d'adoration, un moment où nous voulons t'élever. Seul toi, Jésus, que tu sois élevé au-dessus de tout. Béni sois-tu, Seigneur, pour des familles représentées. Béni sois-tu pour toute personne en ces lieux. Et nous avons besoin de toi. Viens encore nous faire du bien. Viens encore nous parler. Viens encore consoler le cœur des enfants de Dieu. Viens encore consoler le cœur d'un homme, d'une femme, le cœur d'un enfant, d'un ado. Viens encore, Seigneur Dieu, nous donner encore de l'espérance. Parce que c'est toi, notre maître. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci pour l'être, le mouvement et l'existence. Et sur ces, nous t'acclamons et nous proclamons que tu es Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et nous voulons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Vous savez, tous les mardis, nous sommes là devant la face de Dieu. Nous venons lui offrir le sacrifice vivant. Cela veut dire, nous donnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Il nous a donné l'être, il nous a donné le mouvement, il nous a donné l'esprit. Et c'est Dieu-là, nous venons en revanche lui dire que tu es meilleur, lui dire que tu es excellent, lui dire que Seigneur, il n'y a pas comme toi. Parce que l'Éternel, c'est lui l'auteur de notre vie, les garants de notre destinée et l'artisan de notre futur. C'est pourquoi nous sommes là, nous voulons écouter une petite exhortation. Si tu peux prendre ta Bible ensemble avec moi dans le livre d'Ézéchiel, c'est un prophète. Aujourd'hui, je serai prophétique. Ézéchiel chapitre 37. Nous commençons à partir du premier verset. Nous allons les lire jusqu'au verset 14e. Je parlerai par la grâce du Seigneur.
Et le reste, nous allons continuer la suite, même le mardi. La Bible dit ceci, la main de l'Éternel fit sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient forts et nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il fit un mouvement et ses eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel, esprit vient de quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils reçoivent. Qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'ils m'avaient donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mais écoutez le verset 11e, c'est là où est le nez de mon problème. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je me reparler sur les ossements desséchés. C'est une histoire, ça va faire deux semaines où je suis en train de le parler à l'église. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a donné encore une lumière, nous allons le parler autrement. Ici, la Bible dit que la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. L'Éternel leur fit transporter par son esprit. Mais bien aimé, dans le Seigneur, j'ai toujours dit, lorsque vous lisez la parole du Seigneur, vous devez savoir qui parle. Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un évangéliste ou un docteur? Mais ici, nous sommes dans un livre prophétique. Lorsqu'un prophète parle, il parle toujours d'une manière inspirationnelle. Lorsqu'un prophète parle, il parle toujours dans un terme prophétique. Il faut être prophétique pour pouvoir comprendre un prophète. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, je suis venu prophétiser dans ta vie. Je suis venu dire des choses de la part du Seigneur. Amen. Et la Bible dit que l'Éternel me fit transporter en esprit. Cela veut dire, le prophète était chez lui, mais le Seigneur lui fit ravi en esprit. Vous savez, Dieu, il communique pas avec ta chair. L'Éternel ne communique pas avec ton corps, mais l'Éternel communique avec ton esprit. Amen. Car il est écrit dans le livre de Job, chapitre 32, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous savez, Dieu, dans la création, il a créé dans Genèse, chapitre 1er, au verset 26e, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur le bétail et tout le reptile qui peuvent ramper sur terre. Vous allez comprendre que dans le premier chapitre des livres de Genèse, l'Éternel a créé l'homme. Mais au chapitre 2, l'Éternel a formé un homme. La Bible dit que l'Éternel prit la poussière de la terre et forma un homme. Or, vous allez remarquer ensemble avec moi, quand l'Éternel créait l'homme, c'était le sixième jour.
Il dit, faisons l'homme à notre image, créons l'homme à notre image. C'était le sixième jour. Cela veut dire, on crée sur base de rien, mais on forme sur base de quelque chose. C'est pourquoi vous allez remarquer au chapitre 2, la Bible dit, il prit la poussière de la terre et forma l'homme. Mais l'homme a été formé le septième jour, le jour du sabbat. Le jour du repos, c'est le jour où l'homme a été formé. Mais il a été créé le sixième jour. Je ne m'aurais pas entré antipathie entre les théologiens, mais je m'aurais juste paraphrasé pour dire à quelqu'un que tu as été créé, tu as été formé. Vous savez que tu as été créé sur base de rien, mais tu peux être formé sur base de quelque chose. C'est pourquoi ne perds pas espoir, même si tout est volatilisé. Il y a encore quelque chose qui reste. Avec le reste, nous avons un Dieu de reste. Avec le reste, l'Éternel peut faire encore quelque chose. Alléluia. L'Éternel me fit ravi en esprit. L'Éternel a pris Ézéchiel et il fit sortir en son esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand le prophète est sorti en esprit, la Bible dit que l'Éternel le transporta dans une vallée. Et quand il arrive dans la vallée, l'Éternel lui fait passer par la vallée. Et il a observé, il a vu des ossements qui étaient là, mais très secs. Et ces ossements étaient nombreux, mais dans la vallée. Laisse-moi dire à quelqu'un, j'avais dit ça même le mardi dernier, la vallée est une distance qui sépare deux montagnes. Vous savez, là où il y a une montagne à gauche ou à droite, cet espace au milieu, c'est ça la vallée. La vallée, c'est profonde, la vallée, c'est souterrain. Et c'est exactement ce que l'Éternel a fait. Il a pris son serviteur et il lui transporte dans la vallée. Et il lui fait montrer des ossements desséchés. Après, l'Éternel lui pose la question. Il dit, fils de l'homme, que vois-tu? Alléluia. Vous savez ce que j'aime dans le Seigneur, c'est quoi? Quand Dieu te parle, il sait que tu es un homme. Il dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je suis en train de voir des ossements qui étaient desséchés. Or, selon l'homme, les ossements étaient desséchés. Mais l'Éternel n'avait pas la même vision que l'homme. Quand Dieu regarde, il ne voit pas les ossements desséchés. C'est pourquoi je suis venu encourager une femme pour te dire, ce que les gens disent, ce n'est pas ce que toi tu dois croire. Ce que d'autres personnes rencontrent, ce n'est pas ce que tu dois croire. La personne qui parle, c'est un fils de l'homme. Mais nous ne croyons pas au fils de l'homme, mais nous croyons à l'Éternel Yahweh. Nous croyons à Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole a saisi, la parole a capté, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la parole à retenir, c'est ce que Dieu a dit dans ta vie. Le pronostic des gens dans ta vie, ça ne servira à rien. Le pronostic de ta famille, ça ne servira à rien. Le pronostic de tes amis, ça ne servira à rien. Le pronostic de ton pasteur, ça ne servira à rien. Amen. Mais ce qui compte, c'est lorsque l'Éternel parle. Amen. C'est pourquoi je suis venu te dire, laissez les gens parler en premier. L'Éternel viendra conclure l'histoire. Amen. Et quand Dieu conclut l'histoire, c'est lui qui sait fermer la gueule de lion. Quand Dieu conclut l'histoire, c'est lui qui s'est dégriffé la patte des ours. J'aime ce Dieu. Il dit, que vois-tu? Il dit, moi je vois les ossements desséchés. Oui, c'est comme si qu'on pose la question. Que vois-tu? Je vois une prostituée. Que vois-tu? Je vois un bandit. Que vois-tu? Je vois un pauvre. Que vois-tu? Je vois un stérile. Oui, ça c'est l'homme qui le voit. Mais je suis en train de te dire, le regard de Dieu, il est très différent du regard de l'homme. Quand l'homme regarde, il ne voit que l'extérieur. Mais quand l'Éternel regarde, il voit un siècle après, il voit deux siècles après, il voit quatre décennies après. Amen. Parce que notre Dieu, lui, ne regarde pas, mais notre Dieu voit. Amen. Parce qu'il y a une différence. Amen. Entre regarder et voir. Amen. Tu peux regarder sans voir, mais lorsqu'on voit, on regarde. Amen. En même temps. Amen. Il dit, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Là, l'Éternel voulait toujours prendre la vie de l'homme. Il demande, est-ce que ces eaux pourraient-ils revivre? Et l'homme, à ce tour-là, il a dit, l'Éternel, tu le sais. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, pour ta vie, c'est le Seigneur qui le sait. Pour tes études, c'est le Seigneur qui te sait. Pour ton mariage, c'est le Seigneur qui sait. Pour même ceux qui iront dans l'enfer, c'est le Seigneur qui connaît. Le Seigneur, le seul, l'unique, qui a le dernier mot dans la vie de l'homme. Aucun homme qui a l'eau et le sang ne peut déterminer ou conclure la vie d'un homme. Si quelqu'un comme un voleur, sur la
croix. Il pouvait être là à côté de Jésus et Jésus pouvait dire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. À combien plus forte raison ceux qui ont traîné avec Jésus, à combien plus forte raison ceux qui prêchent la vie de Jésus, à combien plus forte raison ceux qui parlent de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Jésus nous aime tant, Jésus nous aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que nous on est différents de Pierre, nous on est différents de Barthélemy, nous on est différents de Jean, nous on est différents des autres apôtres, parce que eux, ils ont marché avec le Seigneur, mais eux, ils n'ont pas cru comme nous, nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu qu'on ne voit pas, nous avons cru à un Dieu qu'on n'a pas entendu, nous avons cru à un Dieu que le monde ne peut jamais t'enlever, ce Dieu-là. Écoutez, amen. Vous savez, Dieu dans son amour, autrefois il t'avait regardé, tu étais qu'un ossement desséché. Il n'y avait pas d'espoir en toi. Qui pouvait croire à Kérok? Autrefois, je n'étais qu'un ossement desséché. Personne ne pouvait croire à moi. Ma mère m'a dit un jour, est-ce que tu peux pas prendre que le diamba et arrêter la drogue? Mais bien aimé, regardez là où je suis venu. Regardez là où j'étais. Quelqu'un infernal. Quelqu'un que la société ne pouvait pas supporter. La famille ne pouvait pas supporter. Quelqu'un que le militaire, le soldat ne pouvait pas supporter. Le gouvernement ne peut pas supporter. Mais qui a fait de moi ce que je suis? C'est Jésus-Christ au travers de ses serviteurs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux gens que des serviteurs de Dieu sont des menteurs. Si des serviteurs de Dieu sont des menteurs, d'où vient notre conversion? Si les serviteurs de Dieu sont des escrocs, d'où vient notre salut qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, nous proclamons Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus parce qu'il y avait des gens à côté de nous. Amen. Il y avait des gens qui nous ont aidés. Des personnes qui t'ont dit, toi, ça ne faut pas le faire. J'étais quelqu'un infernal, quelqu'un impertinent, mais j'avais un père spirituel à côté de moi qui me disait toujours, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. J'avais même la truie pour ce père-là. Pourquoi? Parce qu'il devait me transmettre l'éducation, parce qu'il devait me donner de l'onction. L'onction de Dieu réside là où il y a la propreté, et l'onction de Dieu réside là où il y a la sanctification. Amen. Et Amen. C'est alors que quelqu'un aura ses chose à partir du moment qu'il sera encore à côté d'un homme de Dieu qui est son père spirituel, qui est son mentor, capable de le calmer et de lui dire attention, ça il faut pas faire, là il faut pas rentrer. Bien aimé dans le Seigneur, à partir du moment qu'on va vous enlever une autorité spirituelle au-dessus de vous, sache-le très bien que nul ne peut faire dans ta vie. La Bible déclare noir sur blanc, croyez en Dieu, vous serez affermis, mais à ses serviteurs, le prophète, hein, vous réussirez. La réussite n'est pas chez Dieu, mais la réussite se trouve entre les mains des serviteurs de l'Éternel. Je ne parle pas des pasteurs de Facebook, je ne parle pas des pasteurs des réseaux sociaux. Si ton onction n'arrive même pas à rassembler 5 personnes, mais comment tu veux crier tout haut pour parler de Dieu? Arrêtez de parler de ces choses-là. Si tu as la grâce de Dieu, que quelqu'un se lave dans sa maison, qu'il prenne la poussette, qu'il mette ses enfants et qu'il vienne dans ton église. Amen. Si tu n'as même pas cette onction-là de pouvoir attirer une personne auprès de toi, vous cherchez des védétariats au niveau de Facebook, au niveau des eaux. Laisse-moi vous dire, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai dit. Vous allez les enseigner où? Dans les plateaux? Vous allez les enseigner où? À la rue? Vous allez les enseigner qu'à l'église du Seigneur. C'est pourquoi Christ, c'est lui le chef de l'église. Christ, c'est lui la tête de l'église. Amen. Et nous sommes les membres. Je suis la main, tu es le pied, tu es l'oreille, tu es la bouche, tu es le nez. Mais laisse-moi dire, si tu commences à voir, la main commence à dire, vous savez, le pied là n'est pas bon. Oh, sache-le très bien que c'est un robot. On lui avait seulement attaché en nous. Mais si tu dépends de la tête qui est Christ, tu parleras que de Jésus-Christ. Tu parleras que de l'amour. Tu parleras que de la grâce, tu parleras que de la faveur. Bien-aimé, dans le Seigneur, laissez les gens venir à la bergerie, laissez les gens venir dans l'église du Seigneur, laissez les gens venir vers Jésus, parce que c'est l'unique qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, Éternel, tu les sais. Et il dit, prophétise maintenant sur ces eaux.
L'Éternel envoie son serviteur de prophétiser sur des cadavres, de prophétiser sur des choses qui ne marchent pas, de prophétiser sur quelque chose qui n'a pas d'avenir. Mais le grand problème, ça ne dépend pas de l'avenir de la chose, mais ça dépend de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car il est écrit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur Dieu te fera du bonheur. Je suis venu prophétiser dans la vie d'une femme. Tu traverses des moments difficiles. Tu traverses des moments infernal. Personne ne te comprend ces derniers temps. Mais je suis venu te dire que le Seigneur t'accorde la paix. La paix que le monde ne peut donner, la paix que l'argent ne peut donner, la paix que le gouvernement ne peut donner, reçois cela de la part du Seigneur. Fils de l'homme prophétise. Écoutez-moi, vous savez, lorsqu'on dit prophétise, ça veut tout simplement dire déclare des paroles meilleures au sujet de la personne. Et je suis venu te dire aujourd'hui que l'Éternel Dieu fasse en toi des grandes choses. Amen. Et la Bible déclare qu'il a commencé à prophétiser. Et pendant qu'il prophétisait, la Bible dit qu'il y a un bruit. Waouh! Je suis en train de dire à quelqu'un, j'entends le bruit. Yali bala nayo ezoya. Nazoyo kamakelele. Yali pamboli nayo ezoya. Nazoyo kamakelele. Yamakambo nzambalinga selo ya minene. J'entends le bruit qui annonce ta bénédiction. J'entends le bruit qui annonce la faveur. J'entends le bruit qui annonce de choses glorieuses que le Seigneur veut faire avec toi. Et la Bible dit, et les eaux commencent à se rapprocher. Et ces eaux-là, ça devient une armée. Il dit, en eux, il n'y a pas l'esprit. Maintenant, prophétise. Appelle l'esprit du quatre vents. Écoutez, aujourd'hui, nous allons appeler l'esprit du quatre vents. L'esprit du quatre vents, c'est quoi? C'est l'esprit qui est dans les quatre points cardinaux. Cela veut dire, dans la terre, il y a quatre anges qui se pointent au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Maintenant, on dit prophétise sur l'esprit du quatre vents. Or, à cette époque-là, pendant qu'on parlait du quatre vents, on ne savait pas que c'était l'image de l'Ancien Testament. Or, le quatre vents était sur la croix. Lorsqu'il est monté sur la croix, il devait écarter ses mains et il devait écarter ses jambes. C'est pourquoi vous allez remarquer que sur la croix, il y a le nord, il y a le sud, il y a le est, et il y a l'ouest. Et je suis en train de dire, l'esprit là que tu prophétiseras, et l'esprit à Mbikudite, esprit au Gosakola, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est l'esprit qui était au commencement. Le Saint-Esprit de Dieu a encore ma vie. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, il viendra sur toi. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, et paï, yaba, osmawana, oe botaki misuni, et boti poso, la Bible dit, ça devient des êtres vivants. Et on a regardé, c'était une grande armée. Je suis en train de te dire, il y a un soldat qui dort en toi. Tu m'as pas compris. Il y a un soldat qui est en train de dormir en toi. Je suis en train de voir un chef d'entreprise qui dort en toi. Je suis en train de voir un grand prédicateur qui dort en toi. Et on doit le réveiller. Mais on le réveillera que par le Saint-Esprit. Mais écoutez, là où je vais chuter. La Bible dit, fils de l'homme, ce que tu as vu là, c'est Israël, mon peuple. C'est Israël, mon peuple. Et Israël dit ceci: nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur: ainsi parle le Seigneur, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Waouh! Nayena loba na mutu moko lelo. Kundezo fungwama. Amen. Et si kabacha vina yo, ozo bima. J'ouvrirai vos sépulcres. Il y a des gens, ozo monnaie vivant, mais bakoti sa y déjà na katia kunda. Il est déjà dans le sépulcre, mais lorsqu'on le regarde, on voit qu'il est vivant. Regardez cette histoire de Marc chapitre 5. La Bible dit que Jésus entra dans le territoire de Décapole et il arrive dans une ville appelée Gadarienne. Et lorsqu'il arrive, il voit un homme qui habitait dans les tombeaux. Quel est cet homme vivant qui peut habiter des cimetières?
Or, le cimetière, c'est un autre monde. Dans le cimetière, c'est un monde calme, c'est un monde des esprits. Mais cet homme-là qui était vivant, censé d'habiter dans une ville, il n'habite pas la ville, mais cet homme habitait dans le sépulcre. Combien de gens ils sont dans le sépulcre? Combien de mariages ils sont dans le sépulcre? Combien de ministères sont dans le sépulcre? Combien de gens ils restent encore dans le sépulcre? Regardez, la vie de tes enfants, c'est dans le sépulcre. Mais aujourd'hui, je t'annonce, dans le nom glorieux de Jésus, Okobi Manakatia sépulcre. Okobi Manakatia Kunda. Et si Kabakanga Vinayo. Et si Kabakanga Bananayo. Et si Kabakanga Santé Nayo. Nazo loba lelo po na santé. Parce que Nzambalinga Biki Samoa Simoko. Lelo na cancer na mission na zo loba de la part ya Nzambe Nzambalinga bikisa mobali moko na diabète koti na vie na ya makasi mais Nzambe lelo na prière lelo azo bikisa yo ezana mutu moko awala nangane mission lelo aziba décision mabepo na vie na ye mais na bitanto osambe la lelo Nzamba okende ko fungolo misu pa opeso lumière abina ko fungola bakunda na bango bien aimé ce n'est pas à toi okosala ben fort mais Nzambe lelo, nanzela ya prière, nanzela adoration, bakunde go fungwama. Nazo mona nde bakunde zo fungwama na vina yo. Nazo mona nde bakunde zo fungwama na libota na yo. Nazo mona nde bakunde zo fungwama na musala na yo. E Nzambe wana telemi, lokola pananjila, wali nga kabo la mai. Alléluia. Amen. J'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir des sépulcres. Nazo lobanayo, kande fouya gadara. Yesu Masia, abit misa kiye kuna na cimetière. Car de la même manière, Yesu paso bimiso na katia kunda. Au perdre espoir, au perdre nyoso na vinayo, ba yibi ombongo. Au kangi musala. Ma kamunyo so sala me simba suste. Batuba otala babi me. Ozo te yabiso. Me yomo ko mi biki sate. Yomo ko za docteur. Pwani ozo mi biki sate. Muto at sambe la rabatu. Me maladi lati nzoto. Muto alobaka malamu pona batu. Me liba le zo yate. Muto asaye la rabatu bolamu. Bako mi kochola yo. Me yo kangana yabiso bonne nouvelle. Nzamba zo permettre. Nanzela na yo. Batuba pambolama. Parce que oya yo li pamboli. E gozala yasuka. Ngana disciple, ngana lia kate mapo babongoli, menga lia kapanye. Amen. Ah, na lobi en langue, na kasa ko yokinga. Na ina loba nobui. Yesu akoti a multiplier 5 pains na ba poisson. Tangu batu balie, batu ne balie. Mena suka lobi na ba disciple, bo kende, bo zwa ba reste. To ba zwi ba reste, ba konte boye 12 corbeilles. El ngo loba, a chaque disciple, une corbeille. Na lina annonce yo. Musalo anzambo biso to sala atale yo to monye lo kote lo le apole lezo sae la biso ena batu ebele ba osa musalo ta musu pona mbongo mena batu musu ba osa musalo pona mbongo te ena batu musu ba osa musalo pona susi ya am toto zwa batu yes tome mabango na lola okozwa nyoso amokili mais soko otika na se awa ça sert à rien notre objectif est que nous et le peuple de Dieu tokota na lola amen. C'est ça notre objectif. C'est ça notre objectif. Notre objectif sur le peuple, ce n'est pas d'usurper le peuple. Parce que dans nos églises, nous n'avons pas un peuple qui a l'argent. Nous avons des étudiants. Nous avons déjà des RSA. Nous avons des gens qui viennent d'arriver. Nous n'avons pas des hommes forts. Comment vous allez dépouiller ces gens? Mais pour votre information, l'église il soutient des gens. Combien de personnes t'ont foutu le baba mbongo, parce que nous mon abba avocat. Combien de batu t'ont passé baba logement. Combien de batu t'ont sungi batu. Ponani, c'est le rôle de l'église et c'est ça même l'objectif de l'église primitive. Ils partageaient leurs biens et ils partageaient du pain fractionné. Nzamba lobi lelo, azo bimiso na katia kunda. Azobi misa commerce non akunda. Azobi misa santé non akunda. Maladie wana ozana ngweza ya normalité. Vina onde zo tambolane ya normalité. Nzamba obi miso nakunda. Ya ona senge siko zwami. Tombola maboko na yo. Alléluia. Bandaka kope sa zambe wana merci. Zambo abi misa kabato nakunda. Abi miso nakunda. Shabara korobo seke mayara. Yeri kamari obo sakari baba elongananga
Seyo Yesu Masiya. Eh, Brokori Obo Sakele Mananga. Seyo Mwana Nanzambe. Eh, Brokori Obo Sekeri. Natale Liyo. Yesu Elonga Nanga. Natale Liyo. Yesu Elonga Nanga. Oh, Nabomo Inanga. Seyo Yesu Masiya. Naebin Zambe Mosusuteo, Seyo Mwana Nzambe, Natale Liyo, Yesu Elonga Nanga, Natale Liyo, Yesu Elonga Nanga, Nanya Kosunga Bomo Inanga, Seyo Yesu Masiya, Nanya Kopesa Loboko. Akotangu isanga, seyo mwana nanzambe, Natale liyo, nawe, Natale liyo ya ya, Natale liyo ya ya, Yesu Musala na banda kiko sala, Yesu kinanya kosunga, Yesu Masiya. Bana moto pasi nanya kosunga, seyo mwana nanzambe, Natale liyo. Mosusu teo, Natale liyo ya ya, Natale liyo, na bomo inanga, Seyo Yesu Masiya, na libota nanga, Seyo Mwana Nzambe, Natale liyo, Natale liyo, Elonga nanga, Natale liyo. Nanya kobimi sanga na kunda e, Seyo mwana, mosusu teo, Natale, Natale liyo, Natale liyo ya ya, Natale liyo ya ya, maladie umeli nanya kosumanga, Yesu Masiya, minganga balobi mwayete nanya kopesa loboko. Mwana Nzambe, Natale liyo, Natale liyo ya ya, sembola loboko, na mosala nanga, Seyo Yesu Masiya, na bomoi nanga, Seyo Mwana Nzambe, Natale liyo. Natale liyo ya ya, Natale liyo ya ya, oh Yesu Elonga Nanga, Alleluia, Yesu Makasi Nanga, Alleluia, Yesu Lobiko Nanga, Alleluia, Yesu Mayele Nanga, Alleluia. Yeah.
Bien-aimé Yoka, Nathan, toi, tu as prié.
bon aba chrétien yo soit monde entier oba na katia kunda oba zana misala oba sali na nzambe ya lokuta ba komi ko sala boba fungola ba sepulcre ba koti sabatu me biso tozo tele malelo toke ne ko fungola ba sepulcre ba to ba bima na kunda bonde la bonne église corps de Christ to bonde li alléluia. Yes, Abraham, 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 Abraham,
fils de l'homme, prophétise sur ses eaux. La lina lobanayo, tele masiko lo koyo bo sakoli. Bandako sakola likola vina yo. Bandako sakola likola mobali na yo. Sakola likola mwasi na yo. Sakola likola bana yo. Sakola likola ba frère ya ba sœur na yo. Sakola likola église na yo. Tobondeli alléluia. Bandako sakola. Bandako lo ba maloba kitoko. Alléluia. Bandoloba, bandoloba, bando sakola, sakola likola bana yo, sakola likola bana yo, sakola likola malade ya mobali na yo, sakola likola malade ya mwasi na yo, sakola likola malade ya papa na yo, sakola likola malade ya mama na yo, talande kono mwasi malade wana ya normalité, sakola, sakola, sakola likola ministère na yo. Sakola likola libala na yo. Na lobi lelo yo mokoza prophète. Lelo yo mokoza prophète. Alléluia. Ebrama broko sekema. Erama broko soko. Sakola likola voyage na yo. Lobana obima na mboko. Lobana okende. Sakola. Sakola likola balibumu na yo. Bana baokota telo babana baokota. Mapasa baokota. Sakola. Sakola. Alléluia. Shekeri mabrokoza, ramabroko shekeri maba, rekaria baba baba. Nazo sakola lokwa nganga zam, nazo mona libota nazam, nazo mona libota nazam. Kovanda koyeko la magamu nazam, nazo bondela. Likola ba serviteur, nazo bondela. Likola ba pasteur, nazo bondela. Likola ba prophète, likola ba évangéliste. Grâce à Nzambe likolo na bino, Zamba pesa bino makasi, yako kumba musalo, Zamba futa bino, Zamba fungola ba porte. Na nyoso tongo midi pokwa, bwandiraka pona bandimi. Na ol tongo midi pokwa, bwandiraka. Na butu na moyi, kolanda batu na ba parke na ba hôpital, kolanda batu na ba boloko, kosa Sambela pona ba, kotambola na ba metro ko sambela, tozo bondela, bilakana zambe, ezali kona bino. Boka sakoro. Mabroko sakiri mandra. Maroko ryobo sakaria baba. Eria mabrobo bo 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 bo. Nazo mona lipamboli na vina yo. Nazo mona lipamboli na vina yo. Zambe na nga futa yo. Zambe na nga futa commerce na yo. Zambe na nga futa vina yo. Mabroko saka. Matrobo seke. Alléluia. Yes. Yahweh, Yahweh. Sikota mabongange bandi. Alléluia. My God, Alléluia. Olingito mona bikamwa na yo.
Kolingi tomo nabi kamwa Kamwa na yo masi ya ye Ati nabiso ebele bayoka yo kaka na sango shilo Ebele bayoka yo Otambwisa baka katani Ebele bayoka yo Obotisa mikomba ye Kolingi tomo na ye Mikamwa na yo ye Kolingi to simba ye Minakre na yo ye Zambe na mikamwa ye Obata mi wapi ye Embola loboko ye Loboko na yo ye Zambe na rea mote na ya Oke ine wapi ye Zambe na kero ya Obata mi wapi ye Kolingi to mona ye Mikamwa na yo ye Kolingi to mona ye Loboko na yo ye Elombe mon balie Ala ya minene Elombe mon balie Ala ya koka amoye Elombe mon balie Embola loboko Niki sa mabota ye Mabota baye na yo ye Mabota baye na yo ye Alingi bazo ambi ya no ye Mabota baye na yo ye Alingi bazo ambi ya no ye Bazo malo lenge baya kite o Bazo malo lenge baya kite o Mamona bikamwa na yo Bikamwa na yo ye Mamona bikamwa na yo ye Na mabota na bango ye Mokonzi sembola loboko ye Salabiso bola mwe Yaya sembola loboko ye Salabiso bola mwe Biso to ye bikisi te o Tosima pe pungute o Kakayo masia ye Kakayo masia ye Eto bele liyo ye Mama ya mayele Eto bele liyo ye Moyo kiyo lo sango Eto bele liyo ye Ano labana ye Eto bele liyo ye Ano labana ye Oza loko labana israele Oza loko labana israele Nasima na biso mapinga ya falo we Nasima na biso mapinga ya falo Liboso na biso Mani ya mona na ye Ozangi makasi ye Mayele sili na nzoto we Ozangi makasi ye Mayele sili na nzoto we Mokozi kabola mai ye Kabola mai tole ka ye Tole ka ya wo Kobele liyo ye Kitana bon zambe na yo Kitana makasi na yo Kitana nguya na yo Kobele liyo Zambe ya mibiliya Obata miwa Tambo na yo yango yo Tambo na yo yango yo Kozangi makasi ya we Kozangi makasi ya we Kobele liyo Oyo kilo sambo tobele liyo Oyo kilo sambo tobele liyo Oke inde wapie Oke inde wapie Yaya oke inde wapie Sala ya minene Sala ya koka amaye Mola loboko loboko na yo Na la bota na la bota ya bebe Aya baba baba babo Ima ya nara bata na la bota kerebo Ya la bota ama ya la bota kerebo Para bota ya baba Aya baba na la bota Aya baba baba babo Ebe le bota Ebe le bota Aya baba baba babo Puissant Seigneur mon Dieu, mon roi. Y a que ta main qui nous guérit, Jésus. Y a que Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, ta puissance qui nous rend fort, Seigneur mon Dieu, mon roi. Devant les épreuves, les difficultés, y a que toi, éternel Dieu. Y a que toi, Seigneur de gloire. Éternel Dieu, que n'ai jamais désespéré. Parce que je sais que j'ai un rédempteur qui s'élève. Il s'élève, Seigneur mon Dieu, mon roi. Même si, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute ma vie est touchée. Mais je sais qu'il y a un Dieu pour moi. Il y a un Dieu qui est avec moi. Il y a un Dieu qui est en moi. Qui agit en moi. Même dans mon inconscient. Même quand je ne peux pas voir. Même quand je ne peux pas entendre. Même quand je ne peux pas toucher. Mais toi, Seigneur, tu es en moi. Et tu opères de grandes choses. C'est pourquoi, Seigneur, nos cœurs t'élèvent. Nous célébrons l'éternel.
Nous célébrons le Dieu des armées. C'est lui qui est juste, celui qui ne change pas. Béni soit ton nom, l'agneau. Béni soit ton nom, l'agneau de Dieu. L'agneau de la rédemption. Il n'y a point de semblable à toi, Seigneur, mon amant, te porter, louer, t'adorer. À cause de la délivrance que tu nous accordes, mon Dieu, mon roi. À cause de la puissance de l'éternel qui est là au milieu de nous. À cause de ta main qui touche ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Qui touche, Seigneur, mon Dieu, quelqu'un qui était désespéré, oppressé, abandonné. Il ne savait plus où aller. Il a consulté tout le pays du monde, mais il n'a pas trouvé de solution. Parce qu'il a ça connu. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, désormais ta sa vie a changé. Et c'est vrai, nous sommes reconnaissants, mon Dieu, de ce que tu fais de ton peuple. Nous sommes reconnaissants de ce que tu fais, Seigneur de gloire. De ce qui, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'approche de toi. De ce qui te recherche, mon Dieu, mon roi, de tout leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et ton Dieu, ils ne sont jamais dans la confusion. Ils ne sont jamais dans la confusion, Seigneur. De tous ceux qui marchent dans la sanctification, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu ne les abandonnes jamais, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ta main est toujours là. Ta main est toujours là, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de bénir, en train de restaurer, oh le Dieu de restauration, opère le miracle, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de qui recherche ta face, mon Dieu, mon Père. Opère, Seigneur, de miracle, mon Dieu. Change la vie de quelqu'un. Dans notre détresse, nous crions à toi, Seigneur. C'est toi l'éternel qui s'élève, Seigneur, mon Dieu, mon roi pour nous. Qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu. Oh Yahweh, c'est pour la loco. C'est pour la loco, Seigneur de gloire. Peuple Noé, pour la loco, Seigneur de gloire. Nous puissions témoigner ta grandeur. Oh Nabika, Sembola. Loboko na yo, bato nyonso kombo na yango, akumisa kombo na yo, Yahweh na bikamwa, sembola loboko na yo, bato nyonso bambo na yango, akumisa kombo na yo. Yesu nzambe na beleli yo. Balashila na beleli yo. Nous implorons ton nom, ta gloire, ta puissance. Oh, qui le sambo na beleli yo. Oh, gloire à l'agneau Jésus. Sokyo lobi, eko sila. Yahweh, nabikama. Sembola, loboko na yo. Bato nyonso, bamona. Bakumisa kombo na yo Yahweh oh Yahweh nabika Yahweh nabika moye sembola loboko na yo loboko na yo bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo belela belela Yahweh nabika ma belela 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 Yahweh nabika ma belela la belle est la Yahweh Nabikama la belle est la belle est la Yahweh Nabikama belle est la belle est la belle est la Yahweh Nabikama belle est la belle est la belle est la Yahweh Nabikama belle est la belle est la belle est la Yahweh Nabikama belle est la belle est la belle est la Yahweh Nabikama belle est la belle est la belle est la oh, belela, belela, belela. Yahweh nabika loboko. Kamalola sembola loboko. Yaya sembola loboko. Zambalola sembola loboko. Yaya sembola loboko na yo. Loboko. Yaya zambalola sembola loboko. Yaya sembola loboko na yo zambalola e lola sembola lo mokonzi salanga bolamu e salanga bolamu zambalola e lola salanga bolamu yaya salanga
la salanga bo mokozi salanga bo la muna yo na bo la zamba lola e oya ya salanga bo mokozi na le lipe mingi e na le lipe mingi zamba lola e alola na le lipe mingi ay na le lipe mingi e na le lipe mingi zamba lola e alola na le lipe Mokozi lombolanga sonyo yo lombolanga sonyo zamba lola e lombolanga sonyo ya lombolanga sonyo lombolanga sonyo zamba lola e lombolanga zamba lola sembola loboko e sembola loboko zamba lola e lola sembola loboko zamba lola sembola loboko e Zamba lola e Zamba lola se mola loboko Salata quelque chose Salata quelque chose Zamba lola e Zamba lola salata quelque chose Zamba lola salata quelque chose Eh bravo lobo samba mando Angusa mama ina miso e Oh Shama, Shama, Alukio ya ya eh, Oh Shilo eh, Papa pesa na mozindo, na yoki ango, na yoki mozindo. Shilo eh, Hallelujah. Mareka Mariobo Sakayama. Mekeri amandorobo sakerema Nzamba bolenge na ngai Nzambo na zwa bolenge na ngana kaba Mimonisa Yes Merci Alléluia Monte encore Olukanga Yesu eh Lukayo yana Zamboyo anayo tolukana Zambo tolukana mangengenge Zambe na luzizila Alleluia Obenga ngashilo eh Nabenga yo yana ngai Anayo tobenga na wapi eh na luzizilo Olandanga Yesu Olandanga ikuna na chela Olanda yo yaya nanga Zambo yo Anayo tolandana wapi Aiga Na mozindo Yalelo eza yanga Oh 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 Yalelo eza yanga Yesu Yalelo eza yanga Yesu Namona yo namona yo Ah Alleluia yanga Yesu Yesu Alleluia yanga na simba yo yaya simba yo ah oh 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 Alleluia Alleluia yanga Yesu namona yo na yaye olinganga shilo olinganga tangu na batu baye banga te Kuta na pie na mozino Olandanga shilo Haleluya Alanda yo yayana Merci Anayo tolandana wapie na mozino Obenga na kombo na ngai Yes Abenga yo yayana ngai Anayo tobenga na wapie Aprofonde Na mozindo yalelo yalelo Oh 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 Yalelo yesayanga Oh 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 Oh
Iziba, Namozindo. Iziba, Iziba. Iziba, Iziba. Oui, peuple de Dieu, maintenant, paix à Zambé, merci. Zambé, Bandaï, Nabisa, comme Nazona, Zouka. Bandaï, Zopressé, merci. Baba, papa, merci. Au salut, Zobola. Alléluia. Chakari, Amabro, Zoregema. Ebro, Koyobo, Sacré Mandorobo. Ebre, Mandrobo, Sacré Mandorobo. Ebro, Koyobo, Sacré Mandara. Mabroko Sakari Amabroso Wege. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as accompli parmi nous. Alléluia. Alléluia. Yoke le konana se. Yoke melodi wana. Merci, Pasteur Constant. My God. Alléluia. Yes. Yes. Je vois la nuée descendre. Alléluia. Je vois la nuée de Dieu descendre. La nuée qui va apporter des solutions. Tu es heureux, heureuse, toi qui as prié avec nous cette nuit. Il y a la nuée de Dieu qui te couvre. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire. Jova Shama, que ton nom soit béni parmi le peuple. Je te loue, je te rends grâce pour des guérisons, miracles instantanés que tu as opérés. Merci pour la vie de quelqu'un de prière que tu as encore élevé. Merci pour une femme abattue que tu as motivée. Merci parce que tu nous as encore donné du tonus de pouvoir tenir encore dans ton chemin. Béni sois-tu, grand créateur. Béni sois-tu, maître de temps, de circonstances et des événements. Que le nom de Jésus soit loué à jamais. Et ensemble, comme une seule personne, nous te disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Oh yes. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Merci encore une fois de plus, Coco Bar, pour ce soir. Et merci, frère Dépaul. Merci, pasteur Constant, pour ces temps glorieux. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et nous sommes dans la joie parce que vous avez été bénis par le message et par cette prière. Et l'Éternel a fait des grandes choses dans vos vies. Que le nom de Dieu soit encore béni. Coco Bar, nous sommes à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Quel culte, quel culte. Amen. Un puissant culte, un culte glorieux. Il y avait le Shekinah des dieux en ces lieux. Sur cette plateau, il y avait des choses extraordinaires. Je suis en train de confirmer quelqu'un, il y a une guérison dans ta vie. Amen. Toi qui as prié ensemble avec nous, le Seigneur a ouvert le brèche. Les portes sont ouvertes. Croyez seulement, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Croyez seulement, car Dieu lui-même a ouvert le sépulcre et il t'a fait sortir du sépulcre. Et si Kanyon Sobachaki Onzambabi, monsieur, tu es libre maintenant. Amen. Va et réjouis-toi. Amen. Parce que le Seigneur t'a guéri. Amen. Et je tiens toujours à donner notre adresse. Nous sommes au 56 Avenue Président Wilson. C'est là où nous nous réunissons. Nous sommes là
tout le mercredi comme demain, nous serons là à partir de 18h30 dans un grand culte d'enseignement. C'est là où j'enseigne la parole de Dieu. On appelle ça école de l'esprit parce qu'on a des étudiants. Mmh. Et le vendredi, nous avons le culte des tocos, là où nous prions de la manière dont nous avons prié en ces lieux. Mmh. Et nous prions sans chaise. Tu ramènes une natte, tu ramènes le pan et tu ramènes une couette et nous allons prier. Et tous les dimanches, nous donnons des actions de grâce à notre Seigneur et nous prions ensemble avec le peuple de Dieu. Nous disons le Seigneur qui nous a protégés durant toute la semaine, nous venons lui rendre grâce le dimanche. C'est pourquoi nous vous invitons, si vous n'avez où prier, venez, nous sommes là. Le village va vous accueillir. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Et je tiens à signaler au peuple de Dieu. Mmh. Soyez très prudents aux loups. Soyez très prudents aux loups. Mmh. Parce que il y a des gens qui commencent maintenant à prendre le peuple, à vouloir faire entrer le peuple dans le sépulcre. Aïe. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ils sont dans le sépulcre. Ils vont attirer les gens dans le sépulcre. C'est comme Satan. C'est tout à fait, maman. Tout à fait. Cela veut dire que c'est le travail de plusieurs. Ah, oui. Mais le peuple de Dieu, nous restons sobres. Mmh. Nous prions et nous sommes dans nos gardes. Mmh. Aucun enfant de Dieu digne de son nom ne sortira de son église. Tous les enfants de Dieu, ils seront dans leur maison. Mm. C'est parce que c'est là où ils ont trouvé la guérison. D'autres, ils étaient autrefois, tu ne pouvais pas imaginer. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? C'est à cause de l'œuvre de la croix. Mm. C'est à cause de l'église. Et nous sommes là et nous continuons à servir Dieu. Amen. Nous sommes là, nous continuons à servir Dieu. Mm. Et je dirais comme Gamaliel, ce travail, nous le connaissons. Mm. Il y a de ceux qui ont commencé ce travail. Mm. Nous connaissons leur fin. Mais si ce travail que vous avez commencé, ça vient de Dieu, gloire à Dieu, ça va perdurer. Mais si ça ne vient pas de Dieu, dans quelques temps, vous allez vous volatiliser. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Peuple de Dieu, restez fixés. Que Dieu soit avec vous. Amen. Amen, amen, et nous sommes tous des esclaves de Jésus-Christ dans son œuvre. Que Dieu soit loué. Et merci à encore une fois notre frère Dépaul et son album qui va sortir bientôt. Mon cœur t'adore. Hein, mon cœur t'adore. On attend, hein, ça traîne, hein, frère Dépaul. Faut faire vite, il faut faire vite. Mais bientôt, bientôt déjà, ça sera sur le marché. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis, vous qui avez prié avec nous ce soir, partagez ces moments de gloire. Que Dieu vous bénisse. Merci au pasteur Constant et merci à vous tous qui avez partagé, aimé, invité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un travail noble que vous êtes en train de faire pour la gloire de notre Dieu. Soyez bénis et on se dit à mardi prochain. Au revoir.